Hello! J'avais envie de refaire un vlog. Ça fait longtemps que j'ai pas refait de vlog, mais cette semaine j'ai eu l'élan. Alors on va voir si je vais continuer ou pas. Mais j'ai bien envie de, voilà, de tourner quelques éléments de ma vie quotidienne en ce moment. Comme vous pouvez le voir, j'ai une cheminée maintenant, c'est trop bien. En plus, le ramoneur est passé il n'y a pas longtemps, la semaine passée je crois, ou celle d'avant. Et du coup, j'ai pu faire un feu, le premier feu de mon appartement, parce que bah, je suis là depuis juin 2023, mais le ramoneur est seulement passé bah, en janvier cette année. Donc j'ai pas pu faire de feu avant parce qu'il fallait quand même contrôler, checker si tout se passait bien. Sinon ça pouvait faire des incendies, voilà. Et je préférais pas prendre le risque. Voilà, je vous montre un petit peu mon appartement. Là j'ai mis des fleurs séchées. J'ai reçu pas mal de fleurs ces temps. Bon, il y a aussi eu mon anniversaire le 20 janvier. Ça c'est ma cuisine. Je vous montre dans l'état, hein. C'est pas très bien rangé, mais... Voilà. Check. Mon canapé. Bon, je vous ferai un petit tour aussi plus tard. Voilà, j'ai mis un petit peu des couleurs vives. J'avais envie de couleurs orange, rouge. Ouais, des couleurs un petit peu qui favorisent l'ancrage. cette année, ouais, c'est chouette. Du coup, là, je vais aller... faire les courses. J'ai pris mon petit tote bag. J'aime bien avoir des tote bags pour les courses, c'est hyper pratique. Et puis je vais aussi passer à la poste. J'ai pris un petit colis parce que il y a une dame qui m'a pris un oracle, parce qu'en fait j'ai beaucoup d'oracles. J'ai pas mal d'oracles. Et du coup je les revends quand j'en ai plus besoin, simplement. Voilà, donc je vais poster ça, je vais aller faire quelques courses. Et c'est tout. Et je vous ferai sûrement quelques vidéos voilà, sur le chemin. Et puis on verra ce que je mets dans ce vlog, je ne sais pas encore. J'aime bien les vlogs parce que ça fait comme un petit journal de vie. J'aime bien aussi en regarder, ça inspire beaucoup. Voilà, et je me suis coupé les cheveux toute seule en fait. Enfin, je me suis rasé les cheveux du sur le côté parce que ben ça m'embête d'aller chez le coiffeur pour l'argent et tout. Et ben tant que je peux faire moi-même, c'est chouette. Après, c'est pas hyper régulier et tout, mais ça suffit. Et voilà, j'ai mis ma veste et tout pour partir. Thank you.
je suis allée aux courses et puis enfin faire les courses et à la poste et là je suis devant ma cheminée. Bon, elle est pas allumée, hein. Je pense que je vais l'allumer ce soir. J'aime trop l'ambiance de la cheminée. Et puis là je vais faire un petit goûter vu que c'est les 4 heures. Et hier je me suis fait un gâteau aux pommes. Du coup c'est chouette, ça me fait pour plusieurs jours. Et un petit thé que j'aime beaucoup qui s'appelle Happy Chai je crois. Ça s'appelle Au plaisir du thé. C'est thé noir happiness chai. Donc il y a des morceaux de pommes, du girofle, de la cannelle, boutons de rose, amandes. Arôme naturel, coriandre. Donc il y a beaucoup de choses que j'aime là-dedans. Bon, c'est un thé noir, donc je peux pas le boire trop tard le soir. Mais j'aime beaucoup. Des fois, je rajoute du miel et du citron. Voilà. Et ouais, j'aime bien me faire un petit goûter à chaque fois. Et voilà. Et sinon, ben, dans ma vie, en ce moment, ben, je donne des cours toujours de langue en privé à des enfants, adolescents aussi. C'est chaque fois des cours individuels. C'est ce qui me plaît le plus en fait, d'accompagner les élèves en individuel et pas en groupe. Enfin, des petits groupes, ça pourrait le faire, mais j'aime pas trop les grandes classes. Voilà. Je trouve que le contact il est moins intéressant. Voilà, et puis dans l'école publique, ben, les élèves sont pas forcément motivés à travailler quand ils sont en classe, donc c'est mieux de viser plutôt un soutien individuel, je trouve. Enfin voilà, sinon ben, je continue de développer mon activité de thérapeute spirituelle à côté. Voilà, j'aime beaucoup, j'ai un compte Instagram que je vous mets ici et puis où je fais des tirages de cartes chaque jour, donc je fais des tirages de cartes et des soins aussi pour les gens. Voilà, après mon activité elle se développe pas énormément et du coup j'aimerais bien que ça prenne plus d'ampleur. Ouais. Mais peut-être que ça va arriver cette année, je sais pas, je le sens bien. On verra, peut-être que j'ouvrirai un petit cabinet parce que pour l'instant je fais que à distance ou à domicile si les gens habitent proche, mais voilà, je pense que d'ouvrir une sorte de cabinet ou un café, enfin j'aimerais bien faire un petit coup en cafétéria et puis à côté mes soins et puis mes tirages de cartes, tout ça. Voilà, à voir, c'est un projet que je pourrais mettre en place peut-être cette année. Voilà. Bon, la partie cafétéria, je pense que ce serait quelqu'un d'autre qui gérerait, voilà, pour me permettre de me focaliser sur les services spirituels. Voilà, et sinon, peut-être que je vais commencer à travailler dans des écoles primaires, enfin je sais pas trop, peut-être en accompagnant toujours des élèves, bon ça reste de l'enseignement. Et puis du babysitting aussi, ben, toujours avec les enfants, etc. Mais en vrai, je suis pas super claire dans mes objectifs professionnels en ce moment. J'ai l'impression que ça bouge pas mal dans mes inspirations, mes idées. Et du coup, on verra bien. On verra bien. Tout ce que je sais, c'est que j'ai envie de mettre plus de place à la spiritualité, toujours dans ma vie, à chaque fois. Et voilà. Voilà, et je continue à dessiner sur iPad et tout. J'aime bien l'illustration, j'aime toujours mes passions. Voilà. Après, ce que j'aimerais bien faire, c'est des activités extérieures, genre soit un sport, j'ai pensé au badminton ou d'autres sports, ou des sports d'équipe, de jeu, en tout cas j'aime bien ça. Et puis, ou bien des activités extérieures. Je sais pas, faire de la céramique ou des trucs comme ça, des trucs artistiques avec un groupe, ça pourrait me plaire, ou des cours d'espagnol aussi, j'ai pensé, parce que pour l'instant j'apprends l'espagnol seul. Et puis sinon, ouais, faire de nouvelles rencontres aussi cette année, j'ai envie beaucoup, parce que là j'ai pas mal de rencontres sur les réseaux, des amis spirituels etc. qui sont très très bien, qui me correspondent.
mais j'ai peu d'amis en vrai. Enfin, j'en ai quelques-uns, bien sûr, que j'ai fait des rencontres dans mon village et ils sont super chouettes. Mais voilà, j'aimerais bien en avoir encore plus de rencontres et puis peut-être des rencontres amoureuses. Là, j'en ai fait quelques-unes ces derniers temps, mais après, ensuite, c'est plutôt devenu de l'amitié. Voilà, moi je suis quelqu'un de très libre, très indépendante et en fait parfois j'ai de la peine à entrer vraiment véritablement dans une relation de couple. Voilà, enfin je suis assez exigeante en fait et j'ai besoin d'une personne qui soit autant libre que moi, autant solitaire, autant spirituelle aussi, donc c'est pas facile à trouver. Mais voilà, je pense que je vais trouver. Ouais, je pense que je vais trouver. On verra bien, mais j'ai bien envie de. Voilà, aussi de construire une famille, enfin d'avoir un enfant et tout. Donc, ouais, on verra. On verra. Voilà un petit peu le bilan de où j'en suis. Voilà ce que je voulais dire. C'est un peu long, mais c'est chouette pour vous situer dans ma vie. Voilà. Je vous laisse avec le vlog. Thank you.
Nous sommes le lendemain matin et du coup, je viens de faire une petite méditation. Des fois, j'en fais une le matin, j'aime bien. Désolée, il y a pas mal de soleil. aujourd'hui, je vais faire de la lessive, mon ménage et puis cet après-midi je vais voir un ami. Du coup voilà, je pense que je vais terminer le vlog ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire et puis voilà. Ces temps c'est chouette, il commence à faire beau et il y a des températures un peu plus douces. C'est assez étonnant quand même pour février, mais c'est chouette et moi j'aime beaucoup le printemps, c'est ma, c'est ma saison préférée. Donc je suis contente quand les beaux jours arrivent. Et je me réjouis aussi de faire mon petit jardin parce que maintenant j'ai un jardin. Donc je vais pouvoir le faire d'ici mars-avril. Je vais essayer de faire quelques vlogs, peut-être régulièrement, je ne sais pas encore. Je pense. Et voilà. Donc je vous dis à très bientôt et merci. Ciao ciao.